Bonjour tout le monde, dans cet épisode je vous présenterai la Grande Tour de Babel. L'œuvre est une huile sur panneau bois de chêne peinte vers 1563 par Peter Bruegel l'Ancien. Elle mesure 114 cm de haut pour 155 cm de large et est actuellement entreposée au Musée d'Histoire des Arts de Vienne. Peter Bruegel l'Ancien était l'un des plus grands maîtres de la Renaissance flamande. La Grande Tour de Babel est l'un de ses tableaux les plus connus. Pour resituer le contexte de l'œuvre, elle est inspirée du chapitre 11 de la Genèse, à savoir le mythe de la tour de Babel. Le récit biblique raconte que, peu après le déluge, tandis que les hommes parlaient tous la même langue, le roi Nemrod commande une tour dont le sommet touche le ciel. Y voyant l'incarnation de l'orgueil et de la démesure, Dieu crée la diversité des langues pour semer le chaos sur le chantier, qui finit par être abandonné. Au XVIe siècle, de nombreux peintres hollandais représente cet épisode qu'ils associent à l'extraordinaire expansion de la ville d'Anvers, devenue une gigantesque plateforme commerciale européenne et capitale de la Renaissance flamande. Bruegel, en faisant partie, peint alors deux versions de la tour de Babel, celle que nous analyserons aujourd'hui et une autre, peinte quelques années plus tard, moins connue, plus petite, mais beaucoup plus angoissante et pessimiste. La Grande Tour de Babel est un tableau très coloré, avec des couleurs froides pour les paysages, et des couleurs chaudes pour la tour qui attire l'œil au centre du tableau. Ce dernier contient un grand nombre de détails tout autour de la gigantesque tour en construction. L'architecture absurde, mais tout autant fantastique. Le premier plan montre une colline où sont sculptées les pierres destinées à l'édifice. Le roi Nemrod effectue une visite du chantier accompagné de gardes ainsi que de son architecte, tandis que certains tailleurs de pierre s'inclinent face à lui. Les personnages sont habillés avec des vêtements du XVIe siècle hollandais, les rendant anachroniques vis-à-vis du mythe de la tour de Babel. C'est en réalité le cas de toute la scène du tableau qui se déroule à cette même époque, comme en témoignent les bâtiments et technologies présentes. Le second plan se concentre quasi exclusivement sur la tour. Cette dernière est colorée et comporte de très nombreux détails liés à sa construction et son état de chantier. Avec son architecture circulaire et ses nombreuses arches, Bruegel a probablement voulu faire ressembler sa version de la tour de Babel avec le Colisée de Rome, édifice antique représentant, pour les chrétiens de l'époque, le symbole de la démesure et de leur persécution. Ce dernier était un amphithéâtre destiné à présenter les combats de gladiateurs, des combats d'animaux sauvages, des spectacles ou encore des exécutions à mort. Il servait donc de lieu de divertissement pouvant accueillir environ 50 000 personnes et de monument afin de présenter la grandeur et la puissance de la Rome impériale. Dans la peinture, l'échec de la construction ne semble pas dû à de soudaines différences linguistiques d'origine divine. En effet, aucune scénette ne semble présenter d'embrouille ou de différend entre les personnes en raison de leur langue différente. Les choses se passent mal, oui. Aucun étage ne repose sur une vraie horizontale, les arches construites perpendiculairement au sol incliné sont instables, les supports sur les côtés de la tour semblent de plus en plus fragiles, et enfin, la tour bien élevée repose sur des fondations qui n'ont même pas encore été achevés. Le chantier ne se déroule pas correctement, mais cela n'est pas dû à une punition divine. On peut voir que les ouvriers sont tous éloignés les uns des autres sur le gigantesque monument. Chacun semble travailler dans son coin. C'est sans doute cette absence naturelle de communication afin de créer un tout cohérent qui est à l'origine de ces divers problèmes techniques, et non pas un problème structurel au monument lui-même, puisqu'il existe l'architecte que nous avons vu au premier plan, dont on suppose qu'il a correctement fait son travail. Cependant, même s'il existe des plans de la tour afin de théoriquement pouvoir la faire tenir debout, cette dernière n'en reste pas moins fantasque. En montrant la tour à divers niveaux d'avancement, selon les étages, Bruegel permet de pénétrer au cœur de l'édifice et de cerner les différentes étapes de la construction. Si le dessin architectural est très précis, il n'en reste pas moins absurde, avec un étrange réseau de galeries voûtées en berceau qui ne mènent à rien. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un espace habitable. L'intention des constructeurs de la tour n'est pas d'en faire un bâtiment fonctionnel, mais de pénétrer les cieux. La tour s'achève au 7e étage, avec un 8e, au cœur, en construction. Deux chiffres symboliques en lien avec le divin. Au pied de la tour, nous pouvons voir un port livrant une partie des ressources nécessaires à sa construction. La présence d'un port et la technologie des bateaux datant du XVIe siècle ne colle évidemment pas au mythe originel supposé se dérouler dans une plaine au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce port représente en fait une partie de ce qui fit la grandeur hollandaise.
En arrière-plan, nous pouvons voir la ville, riche et elle aussi foisonnante de détails architecturaux, représentatifs des villes flamandes du XVIe siècle, mais que l'on pourrait trouver relativement vide, comme si les habitants ne se consacraient plus qu'uniquement à la construction du monument, même si on peut toujours voir quelques personnes travailler un peu partout. Derrière encore, la nature s'étend à perte de vue, pouvant vouloir souligner la beauté de la création divine se trouvant sur Terre, en opposition à l'œuvre humaine gigantesque qui cherche à atteindre les cieux. Cette opposition est d'autant plus marquée par la différence chaud-froid entre les couleurs. En relevant le sens de tous les éléments constitutifs du tableau, nous arrivons au constat que celui-ci semble transmettre deux messages d'apparence contradictoire. Dans le tableau, l'orgueil humain peut être vu à travers l'échec des hommes à bâtir un monument viable. Comme nous l'avons vu, le chantier de la tour est catastrophique. L'ordre de construction est chaotique, rien n'est réfléchi et tout est précipité. Chaque personne présente sur le tableau ne semble avoir qu'une seule idée en tête, atteindre le ciel coûte que coûte. On peut ressentir la folie qui se dégage de cette démesure, et c'est une superbe représentation de l'orgueil humain que nous présente Broguel. Dans un second temps, on va revenir sur l'architecture de la tour, semblable à celle du Colisée de Rome, qui n'a pas été choisie au hasard. Ce dernier, qui représentait en partie la grande gloire de l'ancien empire romain, était déjà en ruine depuis longtemps au XVIe siècle. Par ce choix, le peintre nous rappelle le destin de toutes les entreprises humaines. Le peintre nous rappelle qu'importe la grandeur des monuments présents, d'autres aussi grands ont existé auparavant, et tous sont tombés à l'état de ruine. Ceci nous renvoie en partie à la même idée que celle que souhaite nous faire passer la vanité dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, à savoir le non-sens des entreprises humaines face au passage du temps. Rien de tout ceci n'est très joyeux. Toutefois, en y regardant de plus près, l'œuvre semble transmettre une touche d'optimisme à ce constat nihiliste. Il est habituel chez Broguel de transposer des scènes bibliques dans le quotidien de son époque. La première chose à voir est la présence des vêtements, de bâtiments et de technologies présentes dans la scène, tous appartenant au XVIe siècle. Le lieu également, comme nous l'avons déjà dit, ne coïncide pas avec celui du mythe, mais plus à celui d'Anvers, capitale économique et culturelle flamande de l'époque, où vivait Broguel. Le mur d'enceinte de la ville est également le même que celui d'Anvers. Le tableau est donc une représentation de la ville. La ville d'Anvers était alors une puissante cité en pleine expansion qui accueillait de nombreux voyageurs et faisait face à un important mélange des langues, créant de nouveaux liens entre la ville et Babel. Le roi Nemrod, habillé à la mode de la Renaissance, serait alors une évocation du roi Philippe II d'Espagne qui régnait sur les Pays-Bas, et plus généralement de l'Empire international des Habsbourg, puissante famille connue, entre autres pour avoir fourni tous les empereurs du Saint-Empire romain germanique sur plusieurs siècles. Lorsque Broguel peint le tableau, le monde autour de lui, Anvers, mais aussi toute l'Europe, est alors en pleine révolution culturelle et technologique. Il est incontestable que le peintre a cherché à faire passer cela à travers son œuvre. En représentant les nombreux ouvriers de la tour, Broguel a surtout dressé une représentation merveilleuse des artisans de la ville d'Anvers, avec de nombreuses techniques, plusieurs corps de métier, ainsi que des machines de construction remarquables pour son époque. Tout le tableau pète de couleurs, et toute la ville semble rassemblée autour du projet qui attire tous les habitants. Le projet semble pour les artisans, rois et architectes porteurs de grands espoirs, même si nous, spectateurs, voyons sa fin arriver. Mais quoi qu'il en soit, la tour est source de vie au milieu de la cité qui est finalement assez monotone. Ainsi, le projet, bien que voué à l'échec, est porteur de joie, d'aspiration et de perspectives pour ceux qui y participent. Comment serait-il d'ailleurs possible pour les habitants d'y prendre part s'ils n'y croyaient pas? De cette manière, Broguel nous dépeint une magnifique représentation de la vie et des espoirs du peuple unis autour d'un projet commun et transcendant. Nous comprenons maintenant que l'œuvre nous fait passer un message à la question presque existentielle. À travers l'œuvre de Broguel, nous pouvons voir que l'importance des travaux humains ne réside pas dans l'espérance de vie de leur œuvre face à l'infinité du temps, mais dans leur union, leur travail, leurs projets et leurs rêves eux-mêmes. En faisant cohabiter l'absurdité de l'existence et la vigueur des hommes, Broguel nous fait comprendre que l'importance des travaux humains réside dans leur volonté constante de surpassement, de renouvellement et d'innovation, caractéristique de l'ensemble de la société européenne contemporaine aux peintres. Ce que le mythe de la tour de Babel condamnait, le développement de l'humanité vers l'égalité avec Dieu lui-même, ici, l'artiste en célèbre la tentative. La fatalité de la mort est vue et acceptée afin de pouvoir continuer à vivre et croire au projet impossible.
Broguel nous présente l'homme à la fois Sisyphe et Prométhée. Un homme se sachant condamné au néant, mais un homme perpétuellement prêt à relever le défi et à atteindre l'impossible.